sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la présentation d'un jeu que je trouve très beau graphiquement, qui s'appelle Message des sirènes de Karen Kay et illustré par Linda Olsen. Il arrive donc dans une boîte en dur des éditions Exergue avec un petit message déjà dans le couvercle de la boîte, un petit guidebook, les cartes. On va regarder le dos de la boîte. Donc l'intérieur de la boîte est comme ceci, c'est très joli. Ça fait vraiment des tons marins. Donc le dos de la boîte est comme ceci, avec des représentations des cartes et un petit mot sur les créateurs du jeu. Donc il est au prix de 24,90€. C'est un jeu que j'avais vu passer en anglais. Et je l'ai vu aussi présenté sur la chaîne de Sabrina Passion des Oracles, qui est une chaîne vraiment extraordinaire. Je vous invite à vous abonner si vous ne la connaissez pas, parce que Sabrina nous montre des tas de choses extrêmement intéressantes. Et elle avait fait un combat de jeux sur des jeux sur le domaine de la mer, parce qu'elle adore ça. Elle achète beaucoup de jeux sur le domaine de la mer, elle ne peut pas résister. Bon, moi j'aime aussi, c'est aussi un domaine que j'aime beaucoup. Et donc, je l'avais vu, j'avais trouvé mais fantastique, et je l'avais vu passer en anglais. Et j'avais vu qu'il allait être traduit, je pense qu'il a été traduit rapidement. On va regarder si je trouve la date ici, la date de sortie. Alors, on a la date de sortie en 2020 pour l'anglais et en 2022 pour la traduction. Donc 2 ans quand même. Mais bon, il est peut-être sorti fin 2020. Je peux pas vous dire. Et ici, il est sorti au début de l'été, je crois, en français. Et j'ai vraiment, mais vraiment craqué sur les illustrations. Réellement, je les trouve sublimes. Donc voilà ce que je voulais vous dire avant de commencer. Donc on a le petit guidebook ici, assez classique de ce genre d'oracle, hein. Au niveau du format et du contenu, introduction, rencontre avec les sirènes, la sagesse des sirènes à propos de cet oracle, comment utiliser les cartes, des propositions de tirage, autre méthode d'utilisation de vos cartes, et puis le message de chacune des cartes, et voilà, et c'est tout. Donc l'introduction, rencontre avec les sirènes, non, je ne l'ai pas encore lu, je n'ai pas encore eu le temps. Juste regarder les cartes. Comment utiliser les cartes. Créer un lien avec les cartes. Apprendre à connaître vos cartes. Mat sirène. Pourquoi pas. Protection et ancrage. Voilà, il y a des petites méditations en fait. Ça peut être sympa. Technique de protection. Pour ceux qui le veulent, proposition de tirage, le présent, passé, présent, futur, spirale de coquillage, étoile de mer. Donc c'est bien, il y a des tirages un petit peu originaux. Votre premier tirage, autre méthode d'utilisation des cartes et le message des cartes. Donc on a la reproduction en noir et blanc, on a des phrases clés et puis on a la description de la carte. C'est déjà assez fourni. Et donc pour chaque carte, c'est quand même assez fourni la description des cartes. Donc c'est intéressant. Et donc on a aussi de la place pour mettre des petites notes personnelles si on le veut. Je vais vérifier, mais c'est bien là. C'est bien une carte. Et donc, on va passer aux cartes que je trouve sublimes. C'est la qualité Exergue, hein, donc très bonne qualité, carte épaisse. Elles sont légèrement, elles sont plutôt brillantes, on va dire. Vous voyez, avec le reflet de ma lampe. Un coquillage sur le dos avec des couleurs très marines. Mais c'est ceci, donc l'étrange dorée, et c'est ceci le plus beau.
Je trouve les peintures absolument sublimes. Et donc, on a quand même un beau mot-clé sur chaque carte qui peut nous aider à faire une lecture rapide. Je le trouve vraiment, mais très, très beau. Bon, j'ai une forte connexion avec la mer. Moi, je suis beaucoup plus mer que montagne. Il faut dire que j'ai passé toutes mes vacances d'enfance à la mer. Hein, je vous ai raconté dans une vidéo mon lien avec la ville de Toulon. Et donc, bah, pour moi, automatiquement, vacances égale mer, puisque j'ai cette chance absolue d'avoir une maison de famille là-bas, en bord de mer, dans le sud de la France, donc avec le temps et tout ce qui va avec. Et donc, voilà. Mais de toute façon, je suis un signe d'eau, et donc, bah, fatalement, la mer, ça ne peut que me parler. Et ça me parle depuis toujours. Voilà, je vous laisse admirer les illustrations. Je trouve que les peintures sont absolument sublimes. En tout cas, moi, dans le combat de Sabrina, je n'ai pas eu une seconde d'hésitation. Mais ce ne sont que mes goûts personnels parce qu'elle était plus mitigée. Hein. Elle était plus mitigée. Mais pour tout vous dire, l'autre, je n'ai même pas l'intention de l'acheter. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Je crois que c'est l'oracle des dauphins et autre chose. Je ne sais pas si c'est les baleines ou les dauphins. Je sais plus. Parce que j'ai pas du tout je ne me suis pas du tout intéressée à cet oracle. Il ne m'attire pas. Je n'ai pas du tout l'intention de le prendre. Bon, après, j'ai déjà dit ça de certains jeux que je finis quand même par acheter. Hein, mais bon. Pour le moment, je n'ai pas l'intention de le prendre. Il n'est pas sur ma liste. Ni ma liste écrite, ni ma liste en tête, parce que j'ai deux listes, il faut vous dire. J'ai une liste écrite, et avec, je pense, les jeux vraiment incontournables. Ceux-là, je pense qu'ils rentreront tous dans ma collection. Et puis, j'ai aussi une liste en tête de jeux où je me suis dit, ah ouais, il est quand même bien celui-là. Et donc, ça, c'est ma liste de souhaits mentale. Et puis, j'en ai une écrite. Celle-ci, je trouve les coloris absolument magnifiques. En plus, j'adore les fards. Et donc, il y a tout sur cette carte. Il y a tout pour moi sur cette carte. Et voilà. C'était donc la dernière carte de ce sublime oracle message de sirène aux éditions Exergue. Donc pour une fois, ce n'est pas une vidéo qui sera trop longue. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire s'il vous plaît, si vous l'avez, si voilà, comment vous l'avez ressenti. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous remercie pour vos nombreux abonnements. Je vous dis à très 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 bientôt pour d'autres vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye!